bonjour, bonsoir tout costumeur nouveau. Nous bien content de retrouver nous pour une autre petite coup de vidéo. Et ça, vraiment, qui parle coup en pile, c'est pour nous juste capable de faire un point sur un sujet que nous avons parlé déjà en dans l'autre sujet. Ça me dit par là, les nous avons essayé de regarder comment nous sommes capables d'acheter nom de domaine, un nouveau nom de domaine. Nous t'es côté pour nous payer dans le domaine et nous t'es ouais bouton ou lien qui t'a mené nous côté nous supposé ajouter méthode de paiement que nous croyons ou moyen de paiement que nous croyons utiliser ou nous t'avoir utilisé pour nous faire ça. Maintenant, ça comme dit c'est un sujet un long sujet ça c'est parce que nous t'a parlé de paiement pour ajouter un nouveau nom de domaine qui t'est obligé nous arrivé dans l'étape côté pour nous payer. Mais ça me fait nous remarquer si que nous devons ajouter méthode de paiement sur store nous pas joindre le lien mais sur parler nous de l'IA qui c'était add payment methods. Donc nous pouvons montrer nous le sujet principal là qu'on y a qui c'est add payment methods. Donc comment nous capables de passer droit, direct, pour nous attaquer ou bien pour nous résoudre ou remplir formalité ça sous Shopify ou dans la plateforme de gestion de boutique en ligne que Shopify vend. On ne peut pas parler en pile parce que la vidéo ça doit être coûte. Nous voyons nous sous bord gauche, nous actuellement. On peut dire côté nous qui sera il y a activé couleur changer et nous descendre en bas net côté nous pas cliquer on y a la même sous option settings il est nous cliquer dans settings voilà nous finirons ça nous habitue avec lui on y a parce que nous avons depuis quelques temps l'autre vidéo nous fait déjà haut et puis là nous à quelle option nous parle exactement chercher côté option billing et là nous voyons une option billing les dans troisième colonne qui est plus décalé à droite écran et sous deuxième ligne. Bon nous allons directement dans troisième colonne deuxième ligne et puis qu'on a la même m'a cliqué sur option billing pour nous faire ou bien pour nous montrer ça nous venons pour nous montrer pour faire dans sujet ça et vidéo ça j'en dis une langue li par poil longue nous y verra son seul bagage qui est important pour nous nous avons là un lien pour que si nous pouvons ajouter ou bien nous pouvons à une question management staff n'a pas permission pour gérer l'outil là mais nous avons déjà ça dans vidéo passé à nous fermons le message ça et nous vivons là déjà bon côté pour nous apprendre et Shopify bien vidéo pour nous tout et bien l'autre bagaille pour nous pour apprendre nous plus bagaille sous monnaie ça veut dire devise que n'a utilisé n'a pas ajouté sous store là ok ça veut dire dans qui monnaie nous avons acheté ou qu'à permettre nous acheter dans plusieurs monnaies ça bien sûr c'est sujet en longue vidéo. Mais vous pouvez courir là, nous mettons l'aspect commercial de la chose et n'a ajouté une méthode de paiement. Et bien là, c'est Credit Card Information, nous te well déjà dans l'autre vidéo côté nous tape apprendre à acheter un nouveau nom de domaine. Et bien, nous n'avons pas prêté sur ça, puisque c'est même ça nous a dit tout à l'heure déjà, dans l'autre vidéo avant. Et bien, voilà. Vous arrivez là, vous ajoutez toute information, vous pouvez ajouter, pas gain d'astuces particulières pour question ça, ou juste ajouter information, et puis vous cliquez à la fin sur Add Credit Card, et puis vous avez supposé correct. Néanmoins, il y a l'autre bagage Shopify capable comme étape pour vous, mais c'est toujours des étapes pour permettre ou finaliser
ajout information sous crédit card là. Donc voilà, nous pas parler de un et l'autre, c'est ça directement nous te voulez faire avec vous. Et déjà nous disons merci parce que vous avez pris le temps pour suivre vidéo ça, tout costume nous yo continuer abonner à channel Sina Technologie ou Sina Blog et Sina Blog plutôt nous dire comme ça. Et puis rendez-vous à c'est dans l'autre vidéo pour l'autre sujet et nous promettons qu'il pas long même genre.